bien fondé, pour moi, apparaît tout à fait évident. Et c'est la première, pour moi, la première cible, c'est d'aider des femmes, des épouses qui sont de fait particulièrement exposées de par le métier de leur mari, qui sont eux-mêmes très exposés, évidemment. Mais comme l'a dit le colonel, on connaît aujourd'hui, presque au niveau du continent africain, je veux dire, le sort des fois peu enviable de ces veuves. Et aujourd'hui, il y a avoir, je dirais, une initiative qui vise un petit peu cette catégorie de femmes assez particulière, et pour moi extrêmement pertinent. Donc c'est quelque chose qui apparaît évident, avec quelque part aussi de l'émotion, forcément. Parce que on envisage la femme, je dirais, là, dans son rôle un petit peu de soutien d'une famille, de l'accompagner dans son épreuve. Et donc c'est quelque chose qui, pour un bailleur comme moi, et donc qui représente l'Agence française de développement, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est j'aurais jamais pensé à ça. Et pour moi, à partir de ce constat-là, ça veut dire que c'est très bien. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui répond à une demande très forte, à un constat aussi partagé, sur lequel finalement quelqu'un de l'extérieur, comme moi, n'a pas forcément ce réflexe en fait. Et du coup, étant en partie, je dirais, un peu à l'initiative, je dirais, de la de la démarche entreprise par Burkina Action, c'est de la fierté en fait de pouvoir participer, mais en plus de loin, sans une visibilité très forte. Je crois que le mot AFD n'a pas été du tout prononcé ce soir, et je pense qu'au lieu de s'en inquiéter ou de le reprocher, je pense que c'est quelque chose de très important. C'est finalement quelque chose qui montre bien qu'on est sur une dynamique interne, une dynamique aussi officielle, puisque les autorités étaient présentes, les autorités sont engagées aussi, comme l'a dit le colonel. Donc voilà, quelque chose qui est vraiment prometteur, qui j'espère, comme l'a dit madame, puisque c'est une approche pilote, à un degré très maîtrisé pour l'instant, bah, on est tous dans l'espoir que cette phase pilote réussisse. Comme elle a dit, on sera au rendez-vous dans 4 mois pour justement voir les résultats et envisager ensemble sûrement la suite.